Bonsoir, l'imprévu festival, ce sont des spectacles un peu partout dans le village et beaucoup de surprises, mais avant cela, retour sur la soirée d'hier avec notamment une révélation. C'est peut-être pas la solution, mais je veux qu'on m'appelle Alexandre. Ne vous méprenez pas, Flo est bel et bien une fille, une voix cassée qui chante la rage de vivre. L'ancienne photographe de presse a choisi la scène il y a 10 ans pour s'exprimer sans compromission. Je m'appelle Anaïs, je suis bâti comme une saucisse. Je m'habille tout en plastique, en sky et au présunique. Je me fous du ridicule, ceux qui parlent et qui calculent. Je m'en fous, je suis une poufiasse. Moi je suis quelqu'un d'un peu trop honnête, un peu trop entière peut-être. Et quand j'ai mal, tout le monde le sait. Et quand je vais bien, tout le monde le sait. Et j'aime partager mes émotions. Et je suis pas avare ni de larmes, ni de rire, ni de coups de gueule. Je mets tout dehors, quoi. Je suis pas très pudique, en fait. Petit si petit, maman, si grand le chemin, maman. Petit si petit, maman, je tenais dans tes mains mon cœur. Blotti contre le tien, maman, 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 maman. C'est un des coups de cœur de ma vie. J'irai jusqu'après Léo Ferret, peut-être. Elle chante avec ses tripes, que je pense que c'est une écorchée vive qui transmet tout ce qu'elle a à dire à travers la chanson. Plus c'est les toniques. Des gens comme Flo, bah, ça donne la pêche, ça donne la patate, ça fait pleurer, ça fait rire, c'est. Voilà. C'est Flo. Si t'as pas de talent, sois obéissant et marche les fesses devant. Et pendant ce temps-là, les tambours de Bumka Blanka surprennent à chaque coin de rue les festivaliers. Mais la force de Montembeuf, c'est une programmation de spectacles où des personnes en situation de handicap sont sur scène, comme ici, avec de la danse, proposée par une association de Poitiers. Les différences sont effacées, ne reste plus que la grâce. Les 5 premières minutes, bon, j'ai un petit peu le trac, mais après, une fois sur scène, après, là, c'est bon. Là. Après, même s'il y a du public, et puis que je me mets à danser en regardant le public, ça passe quand même. Le plus difficile, c'est de construire des chorégraphies avec eux. Mais quand on leur laisse une marge d'improvisation, donc on a un cadre qui est très serré sur plateau, et à l'intérieur, ils improvisent. Et ça les sécurise, et on se rend compte à chaque fois qu'ils sont dans une spontanéité de conscience, vraiment, belle, moi je la trouve belle. Comme ces danseurs, ils sont des milliers en France à pratiquer une activité artistique. L'envie ne manque pas, reste une ombre. La réticence de certaines salles à les accueillir, alors que le public, visiblement, est conquis. Une chanson douce, presque improvisée pour un anniversaire, celui de Mamie, 84 ans, une institution à Montembeuf. Depuis 36 ans, elle tient l'un des bars du village. Pas de retraite, donc, pour cette octogénaire qui travaille 7 jours sur 7. Ne vous y pensez pas à la retraite ? Non, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que les vieux qui demandent la retraite. Pendant l'imprévu, c'est même Mamie qui prépare de bons petits plats aux artistes qui le lui rendent bien. Voilà, c'est le Sud qui s'invite ce soir à Montembeuf avec notamment Massia Sound System, un groupe 100% marseillais. Je vous laisse apprécier et à demain. Bientôt les cales seront pleines à craquer. Dans la côte phocéenne se sera éloignée. Les boutiques du marché seront déjà fermées. Du fric gagnard d'Afrique.